reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Dites-moi les frères et sœurs, avez-vous déjà rencontré une personne qui est belle à l'extérieur, mais très vilaine à l'intérieur? Wow. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà rencontré une telle personne? Ha! J'ai entendu un jeune homme qui se lamentait parce qu'il avait fait un mauvais choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous explique. En fait, il était avec une fille. La fille, elle avait un très bon caractère. Vraiment, elle était irréprochable. Mais, à un moment donné, il a trouvé une autre. Une autre qui est vraiment très belle d'apparence. C'est-à-dire de belle de visage. Vraiment, elle est jolie. Ah! Et quand lui, il a vu, dès qu'il a vu, automatiquement, il a laissé son ancienne copine, ou bien son ancienne femme, ou bien son ancienne fiancée. Il a laissé et il est allé vers cette très belle et charmante femme. Ah! Maintenant qu'il est allé là-bas, il a vu clair dans cette affaire. Là où on nous dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il va et découvre la fille. Déjà, il a déjà découvert. Elle est très belle physiquement. Elle est très belle d'apparence. Mais ce qu'il a trouvé à l'intérieur, c'est-à-dire dans son caractère, c'est-à-dire dans son comportement, c'est-à-dire dans son attitude, ça l'a fait fuir. Ce qu'il a découvert là-bas l'a fait fuir. Fuir de se fuir. Et il a regretté. Il a regretté d'avoir abandonné son ex pour une fille jolie. Une fille qui était belle, mais qui avait un vilain caractère. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Ouais, moi-même, j'ai déjà fait cette erreur. J'ai vu une fille. Elle avait tout ce qui me plaisait. Tout. Et que c'était la meilleure. Alors que, aïe, 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 c'était le diable à déguiser en femme. Ouais, avec une forme pas possible. Hein? Comment c'est possible? Eh oui, c'est possible. Ouais. Et ce qui est dingue de cette histoire-là, c'est que pour pouvoir vous séduire ou encore vous attirer, surtout quand vous êtes un croyant, quand vous croyez en Dieu ou quand vous avez la foi, ces gens-là vont tout faire pour essayer de gagner votre cœur. C'est-à-dire, ces gens-là vont se faire passer pour des gens bien, pour des gens qui ont un bon caractère. Mais ça, c'est dans leur bouche. Ouais. Dans leur bouche, ils ne font que parler et se lancer des fleurs. Genre, ces gens-là peuvent dire, « Oh, vous savez, moi, à l'église, c'est moi qui fais le plus grand don. » Ouais, c'est moi qui, moi, que je paye la dîme, là, même le pasteur, il rit. Ouais, c'est exactement ça. Si vous rencontrez autour de vous ces des personnes qui passent leur temps, la plupart de leur temps, à essayer de vous prouver qu'ils sont, qu'elles sont, c'est-à-dire que ces personnes, qu'elles sont de bonnes personnes, faites attention. Faites attention. On a rien à prouver à qui que ce soit ici. Nul n'est parfait. C'est déjà dit, c'est déjà écrit dans la Bible. Et c'est ce qui est vrai. Si vous trouvez une personne qui essaie de gagner votre affection en se faisant passer par une bonne, bonne personne, alors qu'à l'intérieur, c'est une mauvaise personne, faites attention. Faites grave attention. Et faites méfiez-vous aussi des gens qui vous élèvent. Genre des gens qui sont tout en train de vous dire que « Oh, vous êtes joli. » Et vous allez être le président, le futur président, le futur ministre de la République. Faites attention. Ces gens-là, ils sont vilains à l'intérieur, même beaux à l'extérieur. Et pour pouvoir cacher leur vilain caractère, ils ont l'habitude
de se faire passer pour des gens qui ont un bon caractère. C'est ça les sorciers. Ouais. Et ils sont autour de toi, ils sont autour de toi. Toi qui es là, ils sont autour de toi. Ils sont autour de toi. Ils sont autour de toi. Ils ont un mauvais caractère. Ce sont des méchants. Des sorciers les plus méchants de la planète. Mais ils sont très jolis d'apparence. Ça fait que quand tu les vois, même, tu risques d'être séduit. Et quand tu les entends parler, tu as l'impression que c'est Dieu qui est devant toi. C'est Dieu qui est devant toi. Mon frère, c'est trop beau pour être vrai. Ma soeur, c'est trop beau pour être vrai. Aïe, 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 c'est trop beau pour être vrai. J'ai failli me laisser prendre au piège, mais Dieu m'a sauvé. Dieu merci. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Ce genre de personnes existent. Et ce sont les gens qui viennent pour faire dévier les bonnes personnes du bon chemin. Ce sont les gens qui viennent pour tromper. Les gens, ouais, ils viennent pour vous tromper. C'est comme une femme maquillée. Vous voyez un peu, non? Les filles d'aujourd'hui, elles aiment beaucoup se maquiller. Souvent, on se dit, mais ah, qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et vous allez bien remarquer que la plupart des filles qui aiment beaucoup se maquiller, là, elles ne se trouvent pas belles. Elles ne se trouvent pas belles. C'est pas qu'elles ne sont pas belles. Elles-mêmes, elles ne se trouvent pas belles. Donc, elles se maquillent pour cacher quelque chose. Vous voyez, non? Elles se maquillent pour cacher quelque chose. Voilà. Et ces gens-là, leur maquillage, là, c'est leur soi-disant bon comportement qui s'affiche. Ce sont toujours les premiers à donner des cadeaux aux gens. Ce sont toujours les premiers à sauter ici, à sauter par là. Quand vous venez d'arriver dans la classe, là, ce sont eux qui seront les premiers à venir vous dire bonjour, comment allez-vous? Les premières personnes à venir vous dire bonjour, comment allez-vous? Quand vous entrez dans une classe ou dans une cour, même dans une église, là. Ces gens-là, ce sont les sorciers. Ils sont les premiers. Ces gens-là sont les premiers. Oh. Je vous le dis en vérité. Ha! Toi, mon frère, si tu as l'habitude de regarder les gens et de les juger par rapport à ce que tu vois physiquement, aïe, 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 un jour tu vas rencontrer le diable. Et c'est pas de la blague, hein? Ha! Si vous parlez ces choses, c'est parce que vous allez rencontrer ça bientôt. Donc préparez-vous, vous les abonnés de Nyan Sribon. Je vous parle. C'est pas de la blague. Ça peut paraître rigolo. Mais quand ces choses vous arrivent et que vous tombez dans le piège, ha, là vous comprenez que c'était une histoire de vie ou de mort. Parce que le diable a décidé d'entrer à l'église. Pour pouvoir entrer à l'église, il a décidé de se maquiller un peu, de se camoufler, de porter un vêtement bizarre. C'est-à-dire un vêtement tellement joli que vous ne pouvez pas comprendre. Afin de pouvoir gagner votre cœur. Ouais, c'est ça le diable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est la réalité que j'essaie de vous expliquer ici. Écoutez-moi bien. Une personne belle d'apparence, mais vilaine à l'intérieur, vilaine de caractère. C'est pas une personne avec qui vous devez marcher. Sinon, cette personne va vous tuer. Et puis, elle va continuer à vivre et à tuer les gens. Mais vous serez déjà parti. Pour que vous soyez en vie, moi je vous dis, dès à présent, sachez avec qui vous marchez. Et ne regardez pas seulement l'apparence, regardez à l'intérieur. Si vous voulez voir l'état d'âme de quelqu'un, là, priez. Priez. Dites, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi qui est la personne. Ah, moi-même, j'ai été surpris par une fille. La fille, tout en concours, là, elle est en train de me dire. Quand on parle, vous avez l'impression que la fille, là, c'est un ange, quoi. Et que c'est Dieu lui-même qui l'a fait descendre sur terre directement. Ouais, genre, Dieu l'a pris en haut, l'a positionné ici en même temps. Tellement qu'elle parle, là. Vous avez l'impression que c'est Dieu. Peut-être moi, je l'écoutais, on causait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un an sont passés. Un an est passé. Deuxième année. Troisième année, quatrième année, ouais. Tout ça là, toutes ces années sont passées sur moi. Ce que je sache également, qui est la fille? Pour moi, elle était un ange. Jusqu'à ce qu'un jour, une situation se présente, une situation où, bizarre. C'était ce jour-là, c'était un jour bizarre même. Et là, là, je suis venu, je lui ai parlé tranquillement. Elle était fâchée.
Mais qu'il est énervé alors que je lui ai parlé posément et tranquillement. En fait, elle était même en boule. Le fait même que je marche avec elle, elle était même fâchée parce qu'elle me cherche depuis un n'arrive pas matin. Donc elle est fâchée. Je lui ai dit, tiens, comment j'ai su ça? Je lui ai posé juste une simple question, une petite question. T'es là, mais elle a crié sur moi. Il est étonné. Il dit, ah! Donc les anges, ça crie aussi. Donc les anges, ça fait crier. Eh bien, tu m'as dit quoi? J'étais étonné. Mais là, je peux rire maintenant hein, parce que c'est passé. Mais sur le coup, je ne pouvais pas rire. Parce qu'une personne qui avait l'habitude de vous parler avec douceur, le jour où elle vous parle d'une manière bizarre, vous avez l'impression que c'est une autre personne. Vous voyez, non? C'est la même chose. Faites grave attention à ce genre de personnes qui vous présentent toujours un bon caractère. C'est comme des hommes politiques. Ils sont tout en train de faire des promesses aux gens. Mais qui accomplit toutes ces promesses? Nobody. Personne. Ne prenez pas de telles personnes pour marcher avec elles. Sinon, vraiment, vous serez déçus. Surtout quand vous laissez une votre femme pour aller vers une femme que vous voyez plus belle que tout, alors que c'est le diable. Là, là. Hé, pour faire marche arrière, c'est un peu compliqué. Mais que votre ex-femme trouve une force, la force de vous pardonner, ça va aller. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai fait cette vidéo pour ça, que vous méfiez, vous regardez bien, vous écoutez bien, et vous méfiez vraiment, parce que le diable a fait des dégâts. Il faut qu'on l'arrête maintenant. Ouais. Faut qu'on l'arrête. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez déjà traversé une telle situation? Si vous voulez nous raconter votre histoire, réagissez. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous abonner à cette chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci les frères et sœurs pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Reborn. Y'all sweat by.